La réalité est cachée. Il y a écrit dans la paracha de cette semaine, Ve Yosef Yashit Yado Alemenecha. Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, Avinu, quand tu vas descendre en Égypte, Yosef mettra la main sur tes yeux. C'est quoi, mettra la main sur tes yeux? Dis le Meshé Chochma, toi tu as vu Yosef dans ses habits, dans le sang. Tu as entendu Yosef est mort. Tu as déchiré tes habits, tu étais en deuil sur lui, tu n'arrivais pas à te consoler. Et en fin de compte, Yosef, l'existence même de Yosef, c'est qu'il a caché tes yeux. Tu n'as pas vu la réalité. La vraie réalité, c'est quoi la vraie réalité? C'est que Yosef allait devenir l'homme le plus puissant du monde. Qu'elle ait sauvé et ta famille, et le monde entier. Et tu allais te faire descendre en Égypte. De toute façon, tu devais descendre en Égypte. Tu es descendu dans des conditions meilleures, des conditions extraordinaires. Nous, on voit une chose. On voit une réalité, mais c'est pas la vraie réalité. La réalité des choses, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Et des fois, nous avons le mérite de l'avoir, des fois, après quelques années, après la mort, après 120 ans, c'est sûr qu'on va l'avoir. Mais des fois, on ne la voit pas tout de suite. Des fois, c'est des descendants qui vont l'avoir. Ça, c'est la réalité. Et Yosef, c'est la réalité de Yosef Hatzadik. J'ai entendu une histoire extraordinaire. Il y avait une fois un jeune garçon qui a fait tchouva. Un jeune homme qui a fait tchouva après l'armée. Il est allé à la yeshiva Netivot Olam Abnevrak. Malheureusement, quelques mois après, c'était un garçon hyper sérieux. Il est tombé malade, la maladie. Même pas 6 mois, il est niftar. Les parents, pas du tout dans la religion, pas du tout dans la Torah. Ont très pris la chose très difficilement. Il y avait la semaine, le mois, il fallait faire un discours. Le rav de la yeshiva ne savait pas où se mettre. Comment je vais parler? Qu'est-ce que je vais expliquer? Il est allé voir un ami à lui, un autre rav. Que ce rav s'est dit, je sais pas, comment on va dire des gens comme ça, ils vont pas accepter. Il est allé demander à Chaim Kanievski. Alors, il dit, mais au contraire, moi je vois à l'envers. Je vois cette personne, ce jeune-là, il devait mourir. Il a eu une vie qui a été rallongée. Et Hachem, non seulement lui a rallongé sa vie, il lui a fait faire le mérite de faire tchouva et de tomber malade pour se purifier. Il dit, mais Rav, comment je vais dire ça aux gens? Tu dis. Il arrive le jour de l'Askara, le Rav il ouvre sa bouche, il fait tout un discours avant, il voulait pas vraiment froisser, etc. Et là, à un moment, il ouvre sa bouche et il dit, c'est pas moi, hein, c'est Raphaël Kanievski qui a dit que c'était pour le bien, il a reçu, il devait mourir, il a la vie qui a été rallongée. Ça se finit. Un monsieur qui avait fait, tu vois, très longtemps, Rav Noir Hertz, il vient voir ce Rav, il dit, viens voir le père du garçon. Il dit, raconte-lui, il dit au père du garçon, raconte-lui ce qui s'est passé avec ton fils. Et le père du garçon commence à raconter, en 2006, pendant la guerre du Liban, la deuxième guerre du Liban, mon fils était dans un agmash, dans un blindé, avec son chef, son mefaked. Et le mefaked lui dit, descends du blindé. Change, va dans le blindé à côté. Il dit, mais Faked. Il dit, et celui-là qui est là-bas, dans l'autre, là, tel un tel, tu le fais venir ici. Bon, mais Faked, il dit, le chef, commandant, il dit, il va. Il exécute. Une heure après, un missile touche le blindé. Et du premier blindé, tout le monde est mort. Et le père, c'est le père qui raconte ça. Il dit, maintenant, je comprends l'histoire que mon fils m'a racontée. Alors, nous, on ne comprend pas les calculs. On ne voit pas toujours la réalité, mais il faut savoir. Faut qu'on se renforce tous les jours, un peu de renfort dans les Emunah à Kadosh Baruch Hu, de comprendre Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Bon, nous on demande, mais Kadosh Baruch Hu, c'est notre papa, il veut notre bien. Des bonnes nouvelles à tous.